Bonjour à tous et à toutes. Une petite vidéo où on va découvrir aujourd'hui Windows Maker Live. Alors là, j'avoue que je ne connais pas, ça m'a l'air très vieillot. Je ne sais pas ce que c'est que cette version de Linux. Ne sais pas de quand elle date, mais à mon avis, elle doit dater de la préhistoire parce que quand je vois ça, Windows Maker Live, alors on voit qu'il y a Telegram déjà bien affiché. Mais c'est un look des années 80-90. C'est une base Debian parce qu'on voit que c'est ça, qui a le logo de Debian. Maintenant, après, comment ça marche ce truc? Je découvre en même temps que vous. Hein. Allez, en voyant ça, si je clique là, il se passe rien. Si je clique là, il se passe rien. Ah si, oh miracle, c'est devenu blanc. Ça m'a l'air tellement vieux. Windows Maker Live, c'est presque le grenier de Linux, là. Ça date, les gars. Ah ben, en gros, j'ai cliqué et rien ne réagit. Bon, c'est bien. C'est bien. Comment on peut encore mettre sur le marché des OS pareils? Je sais pas. Alors là, ici, voyons si je clique ici. Enable to save option. Bon, on va valider. Error. Oh. On va essayer quelque chose. C'est une base Debian, apparemment. Ah, le clavier marche pas. J'avais dit français. Mais c'est des horreurs, hein. On te sort des trucs maintenant. C'est moche, hein. Regardez-moi ça si c'est moche. Desk, pourquoi j'ai desk? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, attends, on va s'amuser. On va faire un clic droit. Cacher un clic droit, je vois Windows Maker, ouais. Mais tu sais, il vaut mieux avoir Windows 10. Application. Application Finder. Ah, là, ils ont voulu copier le nom du Finder de Mac. Ah, on progresse. Mais c'est. Alors, ça me rappelle le look de Windows 98. Mais alors, un vieux look, tu vois. C'est pas jeune. C'est très vieux, là. Hein. Mon Dieu, que c'est vieux. Accessoires, ouais. Capture d'écran. Mon Dieu que c'est pas jeune. J'ose pas aller voir. On va aller voir dans le bureau. Abbey Word, ouais. Développement, ouais. Informatique, infographe. On va aller voir la version de GIMP. On ose. Allez, on rigole. Allez, on va s'amuser. On va aller voir. Ah, parce qu'il faut. On peut pas cliquer deux fois dessus. Ah si. Voyons si ça va marcher. Échec de l'installateur de l'utilisateur. L'utilisateur GIMP a échoué. Voyez le journal pour plus de détails. Ah bon, il va falloir appeler le journaliste maintenant. Et c'est quoi cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vieux. Non seulement c'est vieux, c'est moche. Oh non, c'est pas vrai. Émulateur, gestion de fichiers, backing, CD, DVD, Tunar. Oh attends, va aller voir la version de Tunar, ça va nous faire rire. C'est quoi ce bêtise, ce truc? Ça... Alors attends, oh, à propos. Tunar, c'est du 1.6.3. Ouais. Mais moi, ça me rappelle, ça me rappelle Windows 3, hein. C'est pas plus jeune que Windows 3, le truc. Alors, je refais le clic droit. Application, attends. On va aller voir autre chose, qu'on rigole un peu. Il faut bien se marrer un peu quand même. FileZilla, non, on va pas hésiter. Non, parce que ça va être trop vu. Dessin et images, voyons ce qu'ils disent. Color Selector, GIMP. Ouais, screenshot. Bureautique, oh mon Dieu. Abbey Word, calculator. Voyons si calculateur de... Oh là là, que c'est moche. Mais c'est le look de Windows 98, ça, les gars. About, attends. Calculateur version 0.9.7. Oh punaise, c'est pas jeune. Oh, elle est vieille, celle-là, mais alors un point. C'est le grenier de Linux, là. Oh, qu'est-ce que c'est vieux, les gars. Attends, son et musique, voyons, rythme box, volume son, XFCE. Terminal, ouais. Alors attends, on va essayer un truc.
Ah, le terminal ne marche pas. Oui, mais forcément, il ne connaît pas la fonction depuis l'âge. Vu l'âge du truc. Ah, si. On va essayer. Unem espace tiré du 6 A. Ah, ben déjà, le clavier ne marche pas non plus. Il n'est pas en français. Bon, préférence. Préférence. Ah, mais préférence, tu n'obtiens pas les réglages de. Vidéo. Oh mon Dieu, ils connaissent encore. Handbrake. Oh, attends, on va aller voir la version d'Handbrake pour rigoler. On a demandé Handbrake à l'accueil. Non, ça se lance pas. Car je te jure que j'ai cliqué. Ah, oh miracle, ça a apparu, dis donc, j'y croyais plus. Oh la vache, ça nous remonte pas. Moi, c'est exactement le. Alors attends, on va aller voir la version quand même. À propos. Handbrake 0.10. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais ça nous rajeunit pas le look. Hein. Moi, c'est Windows 80. Ouais, même Windows 95. On est en 2022, les gars. Mettez-nous des looks de 2022. Web Browser. Oh, attends, on va rigoler. La Midori ou Palermo. Allez, on va essayer Midori. Voir qu'elle fonctionne. Mais bon, faut pas être pressé. Erreur suivante est survenue. Les signés n'ont pas pu être chargés. Ignorer les signés. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. On va prendre un autre. On va essayer un autre web browser. On va. Allez, soyons fous. Pas le monde. Pas le monde. On attend. Alors, quand tu veux, mon garçon, ne me plante. Non, j'ai une grande nouvelle. Elle est tellement vieille, la distro, qu'elle l'a plantée. Je sens que ça va s'appeler distro de mamie, ça. Linus mamie. Eh bien, tout a planté, les gars. Non. Eh ben, dis donc. Bon, ben, écoutez, je suis obligé d'arrêter là. Ça a complètement planté. Alors, attends, on va se faire le luxe. On va se faire le luxe de redémarrer ça. De refaire ça. Et de voir ce que ça va donner. C'est bloqué au même endroit. Ah, ça y est, c'est débloqué. Bon, et ça donne quoi? Rien du tout. Oh, l'horloge, la date de l'horloge. Mon Dieu, que c'est vieux. Oh, il connaît encore 2022, je suis étonné. Télégramme, ouais. Bon, alors je refais ici. Qu'est-ce que c'est ça, l'aérodenté là? Je clique. Hein. Il se passe rien du tout. Ah si. Répertoire, sélection d'icônes pour XFCE. Ouais. Bon, c'est pas le grand luxe. Hein. Bon, mais désolé. Je pensais qu'elle serait mieux. J'avais espoir. File Manager et Help. Release note à propos. Eh bien, à propos, ça a planté. Bon, bah, écoutez, c'est sur ce dernier plantage qu'on va s'arrêter là. Donc, c'était une distro mamie. C'est une distro de grand-mère qui. Windows Maker Live. Eh bien, je suis désolé, il vaut mieux Windows 10 quand même dans ces cas-là. Hein. Allez, si tu as aimé la vidéo, mais désolé, c'est pas terrible, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le gros pouce levé. Tu peux aussi t'abonner à MarPéchéO3. On essaiera de tester d'autres distributions qui marchent mieux. Au revoir, à bientôt, et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!